C'est ça. Il y a un problème d'insécurité. Parce que vous faites les choses. On nous donne les détecteurs de métaux, mais pas les détecteurs de plastique, de capsules falsifiées. Ça énerve. Parce que tout ça même, un travail même qui ne paye même pas. Service d'urgence, service d'urgence généralisé. Je vais demander la retraite. C'est un pourri bureau. Parce qu'on parle de terrorisme. Il y a le terrorisme brassicole aussi. Ça, c'est un problème. Parce que les enfants d'aujourd'hui boivent déjà plus que leurs parents qui ont commencé à boire avant l'indépendance. Tu pars dans un bar, tu veux même boire, il n'y a même plus les bières glacées. Ils ont déjà tout bu. Ils collent les petites, ils collent les petites. Ils collent même les grands, ça sort comme ça sort. Tout ça même, c'est énervant. Chaque jour, je suis de garde, je suis gardien de la paix. Tu viens me déranger ici. Aka, moi je m'en fous. À peine arrivé. Allô, ici le service d'urgence généralisée, je vous écoute. Service d'urgence généralisée, je vous écoute. Oui, monsieur. C'est pas un homme. C'est une femme. Non, madame, il faut arrêter de boire les whisky en sachant que vous buvez là. Oui, madame, ça garde la voix. Non, attends, quand tu vas boire, il faut boire ce qui est. Attends. Ce qui est rouge. Et ce qui est rouge là, c'est ça qui. Ça rentre. Oui. Ne vous inquiétez pas, madame, service d'urgence. Nous sommes là pour trouver les problèmes à vos solutions. Oui. Quelles sont vos solutions, madame? Hein? Ton enfant est tombé dans le puits. Madame, ton enfant fait quoi là où il y a le puits à 22h? Hein? J'ai dit que ton enfant fait quoi là où il y a le puits à 22h? Il joue les cache-cache, hein? Ah, madame, vous savez que nous, on respecte les droits des enfants. Donc, si ton enfant joue les cache-cache, c'est quand dans le puits, il faut laisser tranquille. Hein? Il a fait l'accident dans le puits. Mais il fallait dire que ton enfant a fait l'accident dans le puits. Tu dis que ça va, ne vous inquiétez pas, madame. On est là. Bon, ton enfant est de quel signe zodiaque? Ton enfant est de quel signe zodiaque? Ah, oui, zodiaque. Tu m'envoies à l'école. Ah, il est poisson, hein? Bon. Madame, calmez-vous. Si ton enfant est poisson, ce que tu vas faire, cherche une canne à pêche. Oui, prends la canne à pêche. Ton enfant a mangé quoi? Les biscuits? Bon, tu prends la canne à pêche. Tu mets le biscuit sur la maison. Tu prends la canne à pêche et tu... Voilà. Il ne bouge pas. Hein? Ça veut dire que c'est fini. Ferme le puits. Madame. Oh! Taisez-vous. Tu ne sais pas que quand un enfant tombe dans le puits, on appelle et ça fait ping-pong. Tu veux m'apprendre mon travail? Ah, qui là-bas? Laissez-moi. Appelez les sapeurs ping-pong. 15 ans de service, j'ai vu la prime. Oh, on m'appelait l'enfer tombé dans le puits. Ah. Service d'urgence généralisé, je vous écoute. Hein? Oh, monsieur, calme-toi. Calmez-vous. Calme-toi.
Ouais, c'est quoi? Tu m'appelles, tu as un problème, non? Je suis là. Tu grognes? Ouais, c'est quoi votre problème? Ouais. Yes. Oh oui. Bon, on fait le on se résume. Bon, vous dites que vous avez arrêté un voleur. Ah non, vous avez volé le porte-monnaie de quelqu'un. Vous êtes parti avec. Vous avez fouillé le porte-monnaie. Vous avez trouvé un billet de 10 000. Vous êtes parti au bar avec. On dit que c'est un faux billet. Oui, attendez. Et vous avez cherché le propriétaire du billet. Vous l'avez retrouvé. Vous dites qu'il change de billet, il refuse. Monsieur, il est où? Taisez-vous. Tais-toi. Cherchez le problème. Il est où? Donne-lui le téléphone. Monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Écoutez-moi bien. C'est vous qu'on a volé votre portefeuille. On a trouvé le faux billet. On dit que vous changez, vous refusez. Bon, monsieur, attends, entre nous, vous faites quoi dans la vie? Voilà, vous êtes un enseignant, non? Bon, imaginez-vous que vous êtes en train de saigner dans votre classe. Vous êtes un enseignant. Si vous saignez dans votre classe, et puis quelqu'un vient vous perturber, vous serez content. Ce monsieur, c'est un voleur. Il vole à la suite de son front. Il part trouver un billet de 10 000 faux. Il dit que tu ne changes pas. Tais-toi. Tu sais pas que faux, il a de faux, c'est condamnable par la loi. Tais-toi, arrangez-moi la bien, change le billet. Oui. Passe le téléphone. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, ne vous inquiétez pas. J'ai demandé qu'il change le billet. S'il ne change pas le billet, vous rédigez une plainte. Vous allez au commissariat le plus proche parce que c'est votre droit. Oui. Je vous encourage, monsieur le voleur, voler. Parce que, il y a un physiologue qui a dit que quoi que vous fassiez dans la vie, faites ça bien. Si tu es un voleur, vole jusqu'à le jour où la latte va t'attraper, tu dis amen. Tu comprends, non? Merci beaucoup. Allô? Tu parles vite, calme-toi. Tu es face à un accidenté. La sang sort sur son nez. On appelle ça l'hémoglobine. Oui, l'hémo, c'est ce que tu as dit là. Non, si, ça sort beaucoup. Ça sort comme ça sort. Calmez-vous, cherchez un tissu. Fais-lui le garrot sur le cou. Fais le garrot, c'est. Ça coule encore. Il faut tirer. Il ne respire plus. Tu as fait quoi pour qu'il ne respire? J'ai dit fais le garrot, est-ce qu'il a dit que tu... Non, pour l'autre cas, là, pour le cas de mort, c'est la mort. Moi, ça me regarde pas. Vas-y. Vous voulez tuer les... C'est le dernier coup de fil. Je prends plus. Il n'y a même pas le véhicule de service. Service d'urgence généralisé. Il y a les voleurs dans ta maison. Il y a les voleurs dans ta maison. Toi-même, tu es où? Tu es dans le plafond. Il y a les voleurs dans ta maison. Tu es dans le plafond, tu nous appelles. C'est ta maison, non?
Oui, on est les services d'urgence. Est-ce qu'on est les suicidaires? Attends, attends. Monsieur, monsieur, il ne faut pas vite aller en besogne. Est-ce que tu es sûr que c'est pas un monsieur qui joue la guerre avec ses enfants? Peut-être il cherche un enseignement. Ah, ce n'est pas ta maison, hein? Ah, tu vois alors comment vous êtes. Tu pars dans la maison de quelqu'un chercher sa femme, tu ne trahis pas. Mais quand un bandit vient, tu trahis. Est-ce que c'est... Ça va, ne t'inquiète pas. Vous êtes à quel niveau? Oui, je connais le secteur. Oui. Rue Manguier, je connais. Il pleut là-bas. Même ici, la pluie vient de commencer. Tu sais que dans le pays, si tout le monde fait ce qu'il veut, même le climat. Oui, il faut que le préfet de la nuit s'y interdise même le climat. Oui. Oui, oui. Oui, Carrefour Mangué. On prend l'embranchement. Je connais tout partout. Il y a un salon de coiffure. Oui, je connais le salon. Oui, je connais tout partout. Oui, il y a un endroit là où les gens là mangent les légumes de bon marché. Oui. 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 Un portail gris. Devant le portail. Attends, dans le portail là, il y a un vieux taxi. Le taxi là, il n'y a pas les pneus. La maison là, elle a vos quartiers. La femme là est brune. Elle a 4 enfants. Elle est. Oui. Tu fais quoi dans ma maison? C'est toi qui cherches. Tu cherches ma femme. Il dit que tais-toi. Ne bouge pas, tu vas me sentir. Il vient toucher ma maison, ma femme dans ma maison. Il vient.